Good morning, Alay Daniel Sus. Aujourd'hui, le Nishmat Machlouf Micha ben Masouda, Rivka, Bat Levi Tzrak, Avram Chenor, Ben Sorjun, Mazal Do, Ben Yudi, et Nissan Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah consacrée à la 5 minutes éternelle, nous étudions Maserhet Midot, Perek He Mishnah Alef, Kola Azara, Aita Orech Mea Ushmonim, Vasheva, Al Rochav Mea Ushloshim, Vechamesh. Mina Mizrach la Maharav, Mea Ushmonim, Vasheva, Makom Drisat Israel, Achat Israel Ama. מקום דריסת הכהנים, 11 אמה, המזבח, 32, בין העולם על המזבח, 22 אמה, ההיכל, 100 אמה, ו-11 אמה, לאחורי בית הכפורת. Dans les deux missions précédentes, on avait vu la découpe du Echal dans la longueur, dans la largeur, et du coup maintenant, ce chapitre s'ouvre en nous faisant le même type de découpe, dans la longueur et dans la largeur, cette fois-ci, de toute la Hazara. On ne va plus reparler du Echal dans les détails, mais de toute la Hazara, qu'est-ce qu'on rencontrait au fur et à mesure qu'on avançait dans la longueur et dans la largeur. Et la Mishnah m'enseigne, « Kol Hazara eta orech mea ushmonim vasheva » Toute la longueur depuis ici, qu'on entre dans la Hazara, jusqu'à l'autre côté, il y avait au total 187 amas. D'accord? Divisé par deux, ça va faire 93 mètres plus ou moins. L'équivalent de 100 mètres, c'était vraiment petit, relativement. Imaginez qu'il y avait tout le peuple d'Israël qui réussissait à rentrer dedans. Vous allez me dire comment c'est possible. Pire que ça, il rentrait dans cette petite section-là. C'est pour ça qu'il y avait le miracle qui nous dit dans la Mishnah. Omdim tzfufim, mishtachavim revachim. Ils réussissaient à tous rentrer, il y avait un miracle que tout le monde réussissait à rentrer, et même mieux que ça. Après, ils se prosternaient tous par terre, il y avait de la place pour tout le monde. Bien évidemment, quand on est au Beth Amikdash, on n'est plus dépendant des lois de la nature. Et la Mishnah m'enseigne maintenant. Donc il y avait au total 187 amas, al rochav mea ushloshim vechamesh, sur une largeur de 135 amas. D'accord? Et la Mishnah commence à me dire, comment on découpe ça? Mina mizrach la maharav, depuis l'est jusqu'au sud, jusqu'à l'ouest, d'accord? Dans tout le sens de ce qu'on appelle la longueur. On commence à rentrer dans les Echal, qu'est-ce qu'on rencontre? Mina mizrach la maharav, mea ushmonim vechava, donc il y avait 187 amas. Makom drisat Israël, achat Israël ama. Le lieu où les béné Israël pouvaient rester, ça prenait une largeur de 11 amas uniquement. Il y avait là-bas des escaliers qu'on avait déjà appris dans les Mishnayot, la taille des escaliers dans la hauteur et dans la profondeur. Et puis ensuite, on avait quoi? Donc Makom, ensuite on avait Makom drisat à Kohanim, achat Israël ama. Après, il y a le lieu où les Kohanim marchent jusqu'au Misbar pour le moment. Ça prend de nouveau 11 amas. Et ensuite, Makom Drisat Kohanim, donc Achat Esrama, Amisbeach Shloshim Ushtaim, après on a le Misbeach qu'on connaît déjà bien dans les détails, il prenait l'équivalent de 32 amas. Ben Aoulam Bela Misbeach Esrim Ushtaim Amas, de nouveau, entre le Oulam, depuis le Oulam jusqu'au Misbeach, il y avait 22 amas, bien évidemment, il y avait les escaliers, il n'y avait presque pas de place pour manger, il y avait l'équivalent de 3 amot, en fait, selon ce qu'on avait expliqué dans le Partenois, pour marcher ici. Donc ça fait regarder, c'est assez symétrique. On a 22 amas d'ici jusqu'au Misbéar, du Oulam jusqu'au Misbéar. On a aussi 22 amas en fait, depuis la Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. 22, en fait ça nous fait 22, 22 et 32 au milieu. D'accord? Et puis 76, si je ne me trompe pas. Et puis après on a quoi? Ben Aoulam, Ben Misbéar, donc qu'est-ce que moi je t'aime amas? Ha'echal, mea amas, tout ce morceau du Echal, il nous fait 100 amas. Donc on est arrivé à 176, d'accord, on avait appris dans les détails tout ce qu'il y avait dans ces 100 amot, dans la Mishnah précédente, et ensuite on avait Achat Esrei Amal et Achore Bet Akaporet, et la dernière partie, elle nous faisait l'équivalent de 11 amas, donc 176, et on arrivait à 187, le compte est bon. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Shalom.